Mon île. La famille. Hein? C'est tout ce qui me manque. À 8000 kilomètres. Ok, bonjour, soyez la bienvenue chez moi. Moi, c'est Mimi Manager à l'état civil, Sila Bintou Flor Mireille. Je suis à moitié du nord et puis à moitié de l'ouest, c'est-à-dire Gagnoua et puis Odienik. Donc, je suis mère de deux enfants. Voilà, je vis même ici avec eux, avec ma petite fille. Voilà, je suis grand-mère. J'ai une grand-mère. Ça m'est venu comme ça. C'est un truc depuis tout petit que j'aimais bien. En tout cas, j'ai aimé le showbiz. Voilà, je suis rentrée dans le showbiz en tant qu'hôtesse dans un bar. Après, je suis montée de grade au fur et à mesure. Et puis ensuite, Dieu m'a fait grâce avec l'aide de ma grande sœur. Voilà, j'ai eu un bar en gérance libre. Malheureusement, les choses se sont mal passées avec plusieurs braquages. Donc, j'ai dû baisser les bras. Et j'ai un ami dans le temps, Wali Hadis, qui a fait son petit espace, qui m'a dit, mais comme tu fais rien, viens m'aider dans mon coin. Et c'est comme ça, le management est parti. Comme lui aussi connaissait déjà, avec mon petit carnet d'adresse, il m'a dit de venir l'aider dans son coin. On a commencé à travailler ensemble. Et après, il y a M. Jonas Kessé de la forêt qui a aimé ma manière, qui m'a fait appel. Voilà, pour venir aussi à la forêt magique. Donc j'étais là-bas comme manager. Nous étions trois managers, je crois, donc j'étais la troisième manager. Et un peu, c'est parti comme ça. Mais avant ça, je me suis mise aussi à manager une artiste du coupé décalé. J'étais avec elle. Après, je suis rentrée dans le Zouglou, avec la queen du Zouglou. Voilà. Donc c'est un peu, en quelque sorte, comment j'ai commencé. Et après tout ça, je me suis retrouvée dans une cave avec un manager aussi. Vraiment, c'était bien. Par la suite, le vieux, le lion Afouchi, qui me suivait depuis longtemps, m'a fait appel dans son espace. Il avait un espace dans le temps, voilà, avec maman Prisca Blédé. Et là-bas, ils m'ont nommé comme manager général. Voilà. Et on a commencé comme ça. Ensuite, j'ai arrêté un peu. J'ai arrêté la nuit. J'ai arrêté. J'ai commencé à me mettre à vendre de la tique. J'ai vendu du garba. Voilà. Parce que moi, j'aime pas rester sans rien faire. J'ai commencé à toucher un peu de tout. Voilà. Je suis allée, le vieux, on m'a appelé, de venir vendre dans son maquis à la 13e avenue. J'étais là-bas. Jusqu'à ce que mon patron actuel me fasse appel, M. Franck Aimé Zoulou, me fasse appel pour manager son espace qui est l'Académie du Zoulou, où je suis actuellement, en tant que manager général. Voilà. Donc, Dieu merci, en tout cas, tout se passe bien, avec la bénédiction vraiment de mon papa le Lion. Et je suis vraiment bien à l'Académie, tout va bien. Et c'est un peu mon parcours. Donc ça fait un petit bout de temps quand même que je suis dans la nuit, d'hôtesse à aujourd'hui manager. Ça me fait pratiquement 15 ans, parce que de 2005, voilà, 2005 à 2020 aujourd'hui. Donc j'ai quand même une petite expérience. En tout cas, et je continue d'apprendre. Voilà, je continue d'apprendre, je m'approche des grands frères, des grandes sœurs et ceux même qui sont devant, pour quand même continuer d'apprendre, pour essayer d'être encore meilleur. Voilà. Au passage, je voulais dire merci à vraiment tous ceux, celles qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé vraiment dans ce domaine, parce que c'est pas facile. On rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de bien comme de mauvais, mais il faut savoir. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir où tu vas. Et vraiment où tu... En tout cas, il faut savoir ce que tu veux. Voilà. Donc, je remercie toutes ces personnes de près, de loin, qui m'apprécient, qui me soutiennent, qui me donnent des conseils. Tout à l'heure, même, je vous invite, excusez-moi pour la voix,
Je vous invite à mon espace, là où j'exerce actuellement, l'Académie du Zoulou chez ZAF. Vous allez voir l'ambiance qui prévaut. Avec vraiment, c'est phénoménal, c'est grand. Tu veux t'amuser, c'est le point idéal parce que l'ambiance est hors pair. Et puis les hôtesses, l'accueil, le service est vraiment impeccable. Donc tout à l'heure, je vous prie de bienvenue à l'Académie du Zoulou. Comme je vous l'avais dit, je vous invite dans mon espace, là où je travaille actuellement. Voilà, je vous invite à découvrir l'espace. Voilà, l'Académie du Zoulou. Mais prenez pas dans ça, c'est mon bureau. Moi-même, le but nigérien. Moi, je me pose, je prends un verre, deux verres. Au troisième verre, on reprend le sens. C'est quand j'ai un niveau, tu vois que le sang est doux. C'est quand j'ai un cas, tu vois que le sang est doux. Tu veux t'asseoir, Jean, tu veux balancer quoi? Si tout le monde veut s'asseoir, bon, on s'assoit. C'est pas magie, ton comportement va changer. Alors, premier verre, deuxième verre, troisième verre, c'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est quand j'entends, tu vois que le son est doux. C'est doux, façon c'est doux. C'est doux. Zo, on me chuchote à l'oreille, j'ai pas entendu. Je tiens à vous remercier dans le cadre où j'exerce l'Académie de Zoulou chez ZAF. Malgré la pluie, vous-même vous voyez comment l'ambiance est ici. Hein. Donc je vous invite à venir amuser, à vraiment venir découvrir le coin. C'est un très beau cadre. Et c'est là que Mimi Manadia est actuellement, c'est là que j'exerce.